Mais mon Dieu, il fait tellement froid. J'ai eu une crise. Oh, j'ai oublié de vider ma deuxième carte SD, quel débile. Je vais me taire, ouais, c'est mieux. T'es en train de me saouler, ce temps de merde. Pour vous dire ce que c'est, je dis... Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une journée vlog, une journée dans ma peau. Je vous emmène avec moi dans mes journées de confinement. Comme ça vous allez voir un petit peu ce que je fais, les backstage un peu de mes vidéos. Vous allez voir aussi ce que je mange. Voilà, c'est un vlog tout en un, vraiment je vais tout vous montrer dans ma journée. Donc là il est, je vais vous le dire, il est 10h15. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai vraiment traîné au lit. Je suis super fatiguée parce que je me suis couchée super tard hier. J'ai un petit peu fait du montage tard. Mais c'est vrai que ça m'a un peu décalé du coup. J'avoue qu'en temps normal je me lève à 8h normalement tous les matins, mais pendant le confinement franchement j'ai pas trop envie parce que j'ai nulle part où aller. Et genre le matin bah c'est sûr que si je me lève à 8h c'est mieux parce que je vais mieux travailler, je vais pouvoir finir plus tôt etc, mais franchement j'ai la flemme sachant que j'arrive pas à me coucher avant minuit, donc j'ai pas envie d'être crevée. Donc là j'ai mis un réveil à 9h et il est 10h15, donc j'ai vraiment traîné, mais on se motive, on va faire du sport. Vous savez, j'essaie de faire du sport tous les jours, pour l'instant j'ai pas réussi du tout. On se motive, là on est mardi, donc c'est parti hein. Première chose que je fais le matin, vous savez que je prends mes compléments alimentaires. Si jamais vous avez pas vu ma vidéo sur les compléments alimentaires, pourquoi je les prends, n'hésitez pas à les voir, je vous mets en barre d'infos toutes les petites tous les liens des vidéos dont je vais parler dans cette vidéo. En ce moment je fais du sport avec l'application Freeletics et franchement, d'ailleurs pour ceux qui me demandent toujours ma routine sport, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne où je vous montre tous les exercices que je fais. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Mais du coup aujourd'hui c'est quoi? Ah, c'est une petite séance. J'aime pas les séances où genre je sens pas, vous savez, que genre mes fesses, j'ai fait du sport, le lendemain genre ça m'énerve, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip. Drift now, drift, drift, drift. Oh, flick that switch, kill the lights. Bon. Je viens de finir. En fait, j'ai fait une énorme, énorme séance. Il est 11h28. J'ai pas du tout fait ce qu'on m'a demandé de faire. Bon, sinon, on va peut-être se bouger parce que là, 11h29. On a juste fait du sport, c'est quand même un peu limite. J'ai plein de petits fruits, mais j'ai pas genre de... Je sais pas, j'ai envie d'un yaourt avec des fruits ou de céréales avec des fruits ou voilà. Donc je vais aller en acheter. Et je vais sûrement acheter un petit truc pour ce midi aussi, je vous montrerai. Je vais aller au magasin bio car ils ont plein de trucs et que l'épicerie elle est fermée le mardi ici. Donc je n'ai pas le choix. J'y vais et puis ensuite je suis à vous. Je viens de rentrer, mais mon Dieu, il fait tellement froid. Fallait me prévenir. Je vous jure là, il fait moins 10 dehors, c'est horrible. Bon, je vais ouvrir parce que là, on va se suicider. Petit haul, j'ai acheté des céréales, ça me rend très très heureuse. C'est super bon, j'ai déjà goûté cela. Ça coûte tellement cher, j'ai acheté 3 trucs, j'en ai pour 10€. J'ai acheté des soja, des cervani pour faire mon petit déj. Et j'ai acheté un truc, bon je sais vraiment pourquoi j'ai jamais goûté ça de ma vie. Ça coûte extrêmement cher, je l'ai payé 5€ je crois. Des petites saucisses végétariennes au 7 ans. Bon voilà, on va goûter hein. Oh non, faut que je me fasse un coup pour mon collagène.
du coup je viens de finir mon petit déj. Ce que je vais faire, ce que je fais vraiment tous les matins du coup, vraiment c'est ça, tout le temps, c'est je me réveille, sport, petit déj et douche. Donc là j'ai pas besoin de me laver les cheveux aujourd'hui parce que je me les suis lavés hier. Je vais me doucher, je vais me maquiller parce qu'aujourd'hui j'ai une autre vidéo à tourner, donc je vais bien évidemment tout vous montrer. Et puis ensuite c'est tout, on se retrouve après pour le reste de la journée. Bon, pour tout vous dire, il est 13h57 et genre j'ai eu une crise de mal de ventre, hein, vous connaissez ce moment du mois. Donc je suis restée dans un plaid et là genre j'ai aucune énergie, c'est terrible, mais il faut que j'avance sur ma journée parce que j'ai énormément de choses à faire. Il faut que je vous montre, enfin j'ai une autre vidéo à tourner, donc il faut que je vous montre, j'ai des miniatures à faire, etc. Donc j'ai envie que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe. Donc on se motive, hein. Je me suis changée, j'ai mis une robe pour tourner ma vidéo. Je manque de blush. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais un peu ranger chez moi. Parce que déjà, j'arrive pas à travailler quand c'est pas rangé. Et je pense que même si j'ai pas très faim, je vais manger maintenant parce que sinon, je vais être trop décalée. Je pense que je vais prendre un Doliprane parce que sinon, je vais pas tenir longtemps. Et ouais, du coup, je vais ranger un peu. Même là, la salle de bain, c'est le bazar. Et je trouve que mes cheveux sont plats. J'aime pas. Il est 14h24. Je vais en fait tout préparer pour filmer ma vidéo. Donc trouver le bon angle, faire mon lit, mettre les batteries. Parce que là en fait vous voyez pas, mais je mets toujours toutes mes batteries, etc. chargées la veille du jour où je tourne ma vidéo. Comme ça j'ai pas de problème. Je vide mes cartes SD, etc. Donc du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans l'appareil photo. Vraiment tout cadrer, tout installer, préparer tout. Comme ça après je mange. Donc là c'est une vidéo face cam. Quand vous verrez ce vlog, du coup ce sera soit la vidéo qui est sortie juste avant, soit la vidéo qui va sortir juste après. Donc je vous laisse aller voir par vous même mais ça sera une vidéo 10 conseils pour survivre au confinement. Je suis un peu embêtée parce que à cause de cette douleur je suis un peu molle et du coup bah il est quand même 14h25 et j'ai toujours rien fait, enfin j'ai fait que du sport et du rangement, donc c'est quand même pas terrible. Mais je me dis qu'en vrai si j'arrive à filmer ma vidéo, à avoir tout terminé pour peut-être 16h30, parce que moi mon but vraiment pendant ce confinement c'est de ne pas travailler la nuit, le soir. C'est ce que j'ai fait hier soir, donc pour l'instant ça marche pas très bien, mais j'essaye vraiment de, je sais pas, d'avoir un rythme de, je sais pas, me stopper genre à 19h et de plus rien faire pour YouTube, mais c'est un peu dur. Donc du coup voilà, j'ai ma miniature à faire aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur Instagram. Pendant le confinement déjà je fais des lives toutes les semaines pour vous aider, des lives avec des thèmes, je réponds à toutes vos questions si vous me posez sur Instagram. Alors peut-être que ça va prendre 2-3 jours, mais en tout cas j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Et en fait ce que je fais, c'est que maintenant tous les matins je vous mets en fait mon programme de ma journée, donc en story où je vous dis toutes les étapes, parce que c'est vrai que vous me posez un peu des questions par rapport à comment je m'organise pour YouTube, etc. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais aussi vous pouvez voir un petit peu sur Instagram ce que je fais tous les jours de mon confinement. Donc je vous invite à aller voir, le lien est en barre d'infos. Aujourd'hui du coup il faut que je fasse ma miniature pour ma vidéo qui sort dimanche, pour ma night routine, donc elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Et ensuite j'aimerais bien aller prendre l'air avant qu'il fasse nuit, donc bon pas dans cette tenue, mais j'aimerais bien prendre l'air parce que du coup franchement pendant ce confinement je suis sortie deux fois en tout cas à l'heure où je vous tourne, et c'était juste pour aller faire des courses, donc j'ai juste envie de prendre l'air. Donc voilà, on va aller tout installer, je vais tout vous montrer. Oh, j'ai oublié de vider ma deuxième carte SD, quel débile. Bon, on va vider maintenant, je vais vous montrer comment je peux. Alors le pire truc franchement qui puisse m'arriver quand je tourne,
une vidéo. Bon, c'est déjà de plus avoir de batterie ni d'espace, mais alors la batterie du retour, genre ça m'annule toute ma vidéo parce que les batteries du retour, franchement, ça met mes 150 ans à charger. Mais genre vraiment, c'est pas j'attends une heure, enfin j'attends, si j'attends une heure, ça va durer 3 minutes quoi, c'est horrible. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois que j'oublie de recharger, donc je commence à tourner comme si de rien n'était et en fait ça coupe au bout d'un certain temps, sauf que du coup je peux pas reprendre ma vidéo, ou alors je la reprends des heures et des heures après, enfin du coup ça n'a plus aucun sens. Du coup, je vais quand même vider ma carte comme ça. Ça a le temps de tout bien se vider sans que je sois de près. J'ai besoin de mon disque dur, je n'ai plus d'espace sur mon Mac, c'est génial. Trop bonne nouvelle, j'ai créé en fait des adresses mail pro parce que pour l'instant j'avais une adresse mail pro mais c'était une adresse Gmail. Donc c'était pas ouf. J'ai géré... Mais qu'est-ce que je raconte? Je vais me taire, ouais c'est mieux. Bon, je vais laisser copier. Je pense que je vais pas manger, hein. Franchement, je pense que... Enfin, je sais pas, là, j'ai pas faim. Il faudrait que je filme ma vidéo maintenant. Comme ça, je suis tranquille. Et après, au pire, si j'ai faim, je grignote. Je saute jamais, jamais de repas. Ça m'arrive vraiment jamais. Mais là, j'ai vraiment pas faim à cause de ce mal de ventre. Donc, je vais pas me forcer, en vrai. Parce que si je mange trop, je vais être épuisée. Vous voyez, quand vous mangez trop et tout, et que vous êtes... Et si je mange un petit peu, ça va m'ouvrir l'appétit. Du coup, je vais manger comme une vache. Et je vais être épuisée. Donc, je pense qu'en vrai, je vais pas manger. Je vais filmer direct, hein. On va faire ça, je pense. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je viens de terminer de filmer mon setup avec mes lampes derrière. J'aime trop, je trouve que ça fait une ambiance trop genre cosy, j'aime trop. Voilà, du coup je n'ai toujours pas faim donc j'ai bien fait de pas manger. Je vais regarder à quelle heure il veut. Il fait nuit, il fait nuit à 17h20. Ah, mais je suis conne. Il fait nuit à 17h25 donc mon objectif de la journée c'était d'aller d'aller prendre l'air. Donc il faut absolument que je sorte genre à 17h. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je pense que là je vais faire ma miniature. Donc déjà je vais me changer parce que là c'est uniquement pour la vidéo que je me suis habillée comme ça. Je vais faire ma miniature de ma vidéo Night Routine qui sort dimanche. Ça va me prendre je l'espère moins d'une heure. Comme ça ensuite après je vais faire un tour. Peut-être acheter 2-3 trucs pour manger encore. J'ai envie d'essayer une coiffure. Enfin un truc que j'ai jamais essayé avec mes cheveux courts. T'es genre... Attendez parce que là j'ai une photo. C'est genre une queue de cheval avec la raie des cheveux au milieu. Et là tu sors des mèches. Je sais pas trop. Si en vrai c'est pas mal. Il fait froid dans cette salle de bain. En vrai c'est pas mal, c'est pas adapté à un confinement quoi. Bon je crois qu'en fait je vais me changer et faire le ménage. Parce qu'en fait la nuit tombe beaucoup. Et là je sens que ma miniature en fait ça va me prendre un peu de temps. Ok let's go. C'est en train de me saouler ce temps de merde. Il pleut. Comment je fais pour faire ma sortie du jour? Et je suis désolée dans toutes mes vidéos j'ai ce col roulé. Mais franchement il est trop bien pour sortir, il fait tellement froid. Vu que je suis saoulée je vais manger un petit truc. Une banane avec du beurre de cacahuète, j'adore ça. J'attends toujours qu'il arrête de pleuvoir, il est 16h50, il serait temps de faire. Jérémy qui me dit qu'il a envie de manger un africain ce soir.
Est-ce que je vais manger mes saucisses végétariennes? J'en sais rien du coup. Bon, du coup là il est 17h24 et je vais y aller. Alors je vous explique ma mission du jour. Je vais aller chercher des cookies pour Jérémy parce qu'il a envie de cookies. Et que moi bah comme je sors et que je sais pas quoi faire, bah, ça m'arrange. Et ensuite je vais aller chez Monoprix parce que j'ai vu un petit spray. Enfin de toute façon c'est juste... Enfin, c'est sur ma route. J'ai vu un spray de chez Caudalie. Je pense que tout le monde a entendu parler. Enfin, ça fait des années, je pense que je le vois partout. Et là, récemment, je l'ai revu sur internet. Et je me suis dit que il faisait vraiment beaucoup de l'œil. Donc voilà. On se retrouve du coup sûrement quand je rentre tout à l'heure. Du coup, je viens de rentrer. Quelle heure il est? Il est 18h58. J'ai déposé le petit qui a Jérémy et j'ai acheté mon spray Caudalie. Alors du coup je suis allée au Monoprix et il était à 32€ je crois, le gros, enfin le gros, le normal. Donc, je me suis dit non merci, en fait moi je cherchais juste une petite version pour tester et il ne l'avait pas et il y avait une pharmacie juste à côté, donc j'y suis allée et il l'avait, donc je l'ai payé 10€ et voilà, je vais tester ça. C'est bien apparemment avant la crème hydratante et aussi après le maquillage, donc nous allons tester et je vous en dirai des nouvelles. À mon avis vous allez voir ça dans les tutos make-up. Donc là du coup ce soir on voulait manger africain mais c'est fermé, donc on va manger un couscous. Donc il va le chercher à 20h, il m'a dit. Voilà, là je commence vraiment à avoir faim parce que pas manger de la journée ça m'arrive jamais, genre vraiment je sais même pas comment j'ai fait pour pas avoir faim jusque là. J'ai une heure devant moi pour terminer mes tâches de la journée, ranger mon ordinateur, donc trier mes petits dossiers, trier dans mon disque dur tout le bazar et faire la miniature de ma night routine, très important. Alors, j'ai pris des pois chiches, je savais pas si t'en voulais ou pas. Merci. Là, avec ça, c'est ce que t'en veux. Les légumes, attention, on ouvre. Ouais. On met partout, donc fais ça plutôt, je vais relayer. Merci. Le poulet. C'est genre trop bon. Et la semoule, trop... comme ça, tu fais ton assiette. Oh, merci. Et un petit dessert. Oh, t'as acheté ça? Bah oui, soir. Mais c'est énorme. Non mais c'est un couscous pour 10 personnes là. Oh là là. Incroyable. Regardez-moi la taille du truc. Comment c'est trop. Il est 22h47. J'en peux plus, déjà j'ai trop mangé. Ça on s'en doutait, encore c'est pas très grave. J'ai fait quoi? Vous savez ce que j'ai fait? Donc déjà après avoir mangé, parce que vous savez pas mais moi j'ai mangé un fondant aussi avec du chocolat blanc. Et donc du coup ce qui s'est passé, j'ai regardé ma série pendant très longtemps. Je regarde en ce moment, attendez comment ça s'appelle, je regarde Le Jeu de la Dame. Et franchement c'est trop cool, je vous recommande de regarder. Ah ça me défonce les genoux, attendez je vais me mettre autrement. Et ensuite je me suis occupée de ma miniature. Et genre ça fait une heure que je suis dessus. Et que je me dis est-ce que je mets tout en bleu ou tout en rose? J'envoie tout le monde, je mets en bleu ou en rose? Tout le monde me dit bleu et rose et bleu et rose, donc j'en ai marre. Au moins elle est faite, c'est à dire que j'ai fait plusieurs versions, il faut juste que je me décide. Après j'ai juste à l'ajouter. Donc ça va, j'ai quand même fait ma miniature. Voilà, c'est pas, je dois pas tout réinventer. Parce que alors quand tu sais pas ce que tu dois faire, quand t'as pas les images, bon courage. Bon là ça va, c'est fait. Je laisse bah c'est fait, qu'est-ce que je raconte. Je suis fatiguée là, je suis très très fatiguée. Du coup aujourd'hui le programme. Quoi? Du coup là le programme c'est de me démaquiller, de me doucher. Alors j'ai trop envie de me laver les cheveux parce que là je trouve qu'il commence à être pas comme j'aime. Mais d'un autre côté bah là c'est impossible vu qu'il est 23h et que je suis beaucoup trop fatiguée. Bon allez j'arrête, tu vas à la douche.
Bon, du coup, update, je viens de terminer ma douche. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis de crème sur le corps. Mais bon, franchement, là, j'ai trop la flemme. J'ai mal au ventre, mal au ventre. Du coup, qu'est-ce que je fais quand j'ai mal au ventre? Une bouillotte. Pour celles qui n'ont jamais essayé, sachez que votre vie a changé. À tout moment, je me brûle aussi. Hein. Refermez-moi ça, mais ma face pour mon infusion. Alors vous avez pas tout vu parce qu'évidemment j'ai oublié de filmer les trois quarts du truc. Mais sachez que ce sport m'a absolument explosé le dos. Enfin dans le bon sens, genre je sens que demain je vais avoir des sales courbatures. Quand j'ai les omoplates là, c'est plus des omoplates, c'est des... Pour vous dire ce que c'est, je dis... Ah. Mamie Jacqueline. Vraiment, je les change, c'est une lunette horrible. L'inconvénient de ces escaliers, c'est déjà monter sur mon propre corps, c'est très très dur parce que t'es entre la vie et la mort pendant quelques secondes. Mais monter avec une bouillotte et un thé et un Mac et une caméra, je ne suis pas sûre. Du coup, on va faire plusieurs allers-retours. Non, mais ces lunettes là, je vais les enlever, c'est pas possible. On voit que. Les habitudes sont prises. On est bon? Pourquoi je suis obligée de parler comme une grosse prof dans mes vidéos? Comme si ça allait me rendre plus drôle. Oh, elle est à pile la bonne température. Oh là là, vite. Vite. Vous savez ce que je fais en ce moment? Tous les soirs, j'ouvre les fenêtres quand je suis dans mon lit. Je me mets genre sous la couette. J'éteins le chauffage. Et j'ouvre toutes les fenêtres pour genre aérer de ouf, pour trop bien dormir et ça marche vraiment. Je trouve que je dors mieux depuis que je fais ça, vraiment. Parce que chez moi il y a des problèmes d'aération, d'ailleurs il y a quelqu'un qui vient faire des travaux jeudi. Et ce soir je me dis, en plus d'être sous la couette, j'espère que ce petit vlog... Non, je vais enlever mes lunettes parce que là, ça va pas. Ça va pas non plus comme ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets des stories tous les jours. On discute beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a 2 vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous faites de votre confinement. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!